Toute sa carrière, cette professeure d'histoire-géographie a exercé son métier avec fierté et passion. Et c'est avec la même fierté qu'elle a reçu l'année dernière les Palmes académiques, un titre honorifique venant rendre hommage à son travail. Pourtant, elle a décidé de les renvoyer au ministre de l'Éducation. Une décision morale et éthique, un acte militant, avec un pincement au cœur certes, mais surtout beaucoup d'écœurement. Aujourd'hui, cette idéologie de la compétition, du mérite, de l'excellence, qui peut entraîner l'exclusion de celui qui ne réussit pas, avec une grande dureté, une grande violence dans ça, je ne me reconnais pas là-dedans. Charlie Hebdo relaie ce ras-le-bol et publie l'appel des 47, des fonctionnaires qui ont décidé d'effectuer ce geste symbolique, un mouvement sans précédent. Rendre des palmes académiques, cette distinction quand même honorifique, qui a consacré en général une carrière, c'est la première fois que ça se passe. Dans cet appel, les 47 dénoncent les suppressions de postes, la dégradation de la formation, la fin de la carte scolaire et les primes attribuées aux recteurs. Ils espèrent ainsi réveiller la conscience du ministre de l'Éducation nationale.